Le cortège est modeste et les rangs espacés. Dimanche, ils étaient à peine un millier à manifester dans le centre de Moscou. Un énième rassemblement d'opposition contre Vladimir Poutine. Je veux faire part de mon mécontentement vis-à-vis de notre président qui a volé le pouvoir, usurpé le pouvoir. Je pense que c'est un voleur. Si on ne vient pas aux manifestations, ce sera encore pire. Vraiment pire, voilà tout. Un an après la réélection de Vladimir Poutine pour un troisième mandat de président, la contestation a perdu tout son souffle. Rien à voir avec les centaines de milliers de personnes descendues dans les rues après les élections législatives de décembre 2011. Et pour cause, après le retour de Poutine au Kremlin, la réponse du pouvoir ne s'est pas fait attendre. Perquisition, interpellation et arrestation d'opposants suivies. Aujourd'hui, une trentaine de participants à une manifestation qui avait dégénéré en violence il y a un an risque jusqu'à 10 ans de camp. Des lois adoptées récemment limitent les activités de l'opposition, cela va de soi. Mais ce qui est important, c'est qu'elles représentent un signal envoyé aux élites locales et aux forces de l'ordre et qui dit « cela, vous pouvez les abattre ». De son côté, Vladimir Poutine dément museler l'opposition. Personne ne met personne en prison pour des raisons politiques, pour leurs idées politiques ou leurs actes. Les gens sont jugés par la justice. Ils sont punis car ils violent la loi. Fin avril, Amnesty International et Human Rights Watch ont publié des rapports très sévères sur la Russie. Outre le coup de vis contre l'opposition, ces deux ONG dénoncent également l'adoption d'une loi obligeant les ONG qui reçoivent des financements internationaux à s'identifier comme agents de l'étranger. Les États-Unis et l'Union européenne ont aussi critiqué la Russie pour sa gestion des droits de l'homme. Les Russes, quant à eux, sont 55%, selon un institut indépendant, à souhaiter que Vladimir Poutine quitte le pouvoir à la fin de son mandat, en 2018.